se met coincé, on dirait. Oh non, 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 non. D'une façon ou d'une autre, on va y arriver. On va soulever ensemble, ok? Ok. Allez, on y va. Vache, c'est lourd. Pense à cette tort qui nous attend. Ouais, pour l'instant, je pense sur toi, mon dos. Je crois qu'une nouvelle épreuve nous attend. Ah, mais si, on dirait bien. Symbole de cinéma, mais ce n'est pas ce que je veux. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde. Les statues. Les capitaines pirates. Il y a Bonnie, Baldridge, Albasra et... Oh, je ne me rappelle plus du nom de celui-là. Farrell, William Mays, Tariq Din Malik et Christopher Condon. 8 sur 12. Et regarde, les symboles sur cette avion tournent en permanence. C'est tordu. Ce Din Malik, il a un mot. Ah ouais, ça s'en est pas. Est-il aussi loin de la côte des Barbares? Comme nous. Ok. Il faut que je regarde jusqu'où quand ils sont dans la ville.
le reste de l'équipage. Richard Want, Edward Lyon et Thomas Thieu. Zan, regarde. Je crois qu'on sait où on va. Oh, attends un peu. Ça ne fait que 11 pirates. Il nous manque notre pirate vedette. C'est bizarre, ça. Voyons de plus près. Ce truc. Putain de merde. Et voilà la statue d'Avry qui manquait. Je vais te dire, je commence vraiment à penser que notre ami était du genre légèrement narcissique. Non, tu crois? Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a réservé ensuite. Ouf. Ouh, ça fait une sacrée chute. Alors, Nathan, par rapport à tes autres aventures, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Eh ben, on en reparlera quand on en aura fini. Casse pas. Ça a pas cassé. Cool. Le bateau est en bas. Après vous, capitaine. Ok. L'île avec la monstrueuse statue d'Avry est à droite. C'est tellement éclatant que j'en ai littéralement les mains qui tremblent. Ouais, je connais cette sensation. À moins que ce soit à cause du manque de nicotine. C'est peut-être un peu des deux. On dirait qu'il a une lunette d'approche. Il regarde pas bien en dedans. Peut-être qu'il veut qu'on regarde dedans. L'île au trésor vous rongera de chagrin. Allez, Sam. Viens. Oh, non. C'est toi qui passe devant. Si, allez, j'insiste. Ok. Et hop là! Alors, capitaine, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Là. Alors, il y a une grosse île en forme de crâne ou quoi? Une grosse île? Mais pas de crâne. C'est forcément là. Libertalia. C'est bien optimiste, étant donné la situation. Tu sais, il y a que toi et moi ici. T'as le droit de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enthousiasme. Ouais, bah je serai enthousiaste quand on sera débarrassé d'Alcazar. Allez. Ok. Quoi? J'ai juste dit ok. Non. T'es ok ne veulent jamais dire ok. En général, c'est même carrément l'inverse. C'est notre ami Rafe? Qui tu veux que ce soit? Oh merde.
Faut que je me barre de cette plage. Sam ! Sam, merde ! Sam ! Caisse de vivres. Ah, c'est... Évidemment. C'est vide. J'y pense, c'est peut-être Sam qui a tout pris. Faut voir le côté positif. Je ne peux plus rien perdre. À part ma vie. Ça me parlait, c'est le premier signe de la folie. Ah, bordel. Ok. Oh merde. Ça va passer. Ça va passer. Thank you.
S.I. Sigma Vismania. Sam. Allez. Où est-ce que t'es? No. Pas très rassurant.
essayer de grimper là-haut? Avec ses bottes? Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. Ouais, ça marche. Laissez tomber, les gars, fausse alerte. Mais restez. Bouge pas. Merde.
Alors, et maintenant ? C'est quoi ça ? Waouh, c'est sinistre. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. Bon sang, c'est pas vrai ! Oh non, non, non ! Oh la vache ! J'ai failli te faire sauter le crâne. Sam, tout va bien ? Ouais, c'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Comment ça ? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine ? Puisque t'en parles. On fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe ? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici ? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord ? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertalia. Est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates ? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas ? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu ? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au peigne fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je te retiens pas, Nathan. Attends, comment ça tu me retiens pas ? Tu te fiches de moi ? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici ? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté ? Hein ? Ça m'a quand même coûté 15 non, longues années ça n'a de ma rien vie. À voir avec ça ! Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi ? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère ? Allons voir si on trouve autre chose.